évalue sa longueur de manière précise. Pareil, qu'on voit pour le déport, qu'on voit pour les fixations des câbles Voilà, sur là on est l'appareil, sur un QSO voir avec aussi l'affichage de la différents couleur. masques, les bretelles, les connecteurs, Si les j'appuie, protections bien sûr, je peux potentielles. choisir les slots. Pareil, Slot 1, slot 2. Là, on n'entend plus le QSO. Slot 1, DAB du relais. on Actuellement, entend on le est un petit peu là, un QSO. petit peu la rage, mais Là, si je on va fais finir, il ça, va falloir finaliser. là c'est sur on. Là, on s'attaque à la partie Donc logique, là, par exemple, base c'est la vers couleur DAB, 1. avec Si notamment je pas mal de choisis commandes, la couleur 2 pas mal de commandes et sur que les je tape connecteurs Entrée, accessoires arrière. Donc là, on a trouvé la le solution QSO pour. sera derrière. Voilà. Et vous entendez plus. Parce que j'ai choisi de filtrer que la couleur 2. Si je reviens comme ça et que Pour je retire, voilà l'arrêter complètement. le filtrage des couleurs. En fait, c'est pour beaucoup en fréquence parce qu'on est beaucoup occupé Il y a pas, il y a sur la la même chose pour d'autres filiation. modes. Et là, on est vraiment en train de finir. Eh bien, écoute, Donc je te souhaite DMR, un bon couleur, petit déjeuner, une excellente DMR journée, slot. et puis sans doute à plus tard. Si Et nos après, salutations naturellement aux stations d'écoute. FRDV et FTAP. je vais passer sur autre chose, par exemple sur la DV4 mini. Je vais rentrer là-dessus. Si dans les modes, je me mets, je sais pas, P25 par exemple, c'est pareil. Appuyer. Voilà, je peux choisir le NAC, on, off. Et si vous faites on, que vous appuyez plus loin, vous pouvez choisir le code du NAC, et ainsi de suite si vous voulez filtrer. Pareil pour NXDN et ainsi de suite. Donc pour l'instant, le NXDN sur la France, il n'est pas trop compatible. Mais on verra plus tard. Il bosse beaucoup là-dessus. Quelque chose qui est très très agréable aussi, c'est que si tu fais F scan, attends, je vais me remettre en mode scan. Tu fais, ouais, faut d'abord que je sorte de ça. Voilà, si tu fais F scan, voilà, tu as des banques que tu peux linker. Et ces banques-là, par exemple, là, j'ai décidé de linker sur ces banques-là. Là, sur le mode 1, je décide que la banque 0. Donc, si par exemple, la banque 0, tu mets radio amateur, hop, conf, par exemple, radio amateur, là, tu peux passer là. Là, si j'appuie, je peux noircir, je peux noircir. Et ainsi de suite, donc ça veut dire que là j'ai demandé le link entre la banque 1 et la banque 6. C'est assez sympa. Voilà, il y a pas mal de trucs pour le recherche. La recherche aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a vraiment énormément, énormément d'options. Là-dessus, c'est vraiment un petit joujou très sympathique, très suivi par AOR. Que je vous recommande. Là, il est mis en affichage vraiment minimum, je crois. Voilà, si je le mets en conf, le blacklight, le bip était pas mis. Le voilà, dès que le bip est mis, ça commence à causer. Le dimmer, il est en auto et tout. Là, si je fais ça, regardez, ça va commencer à pulser. Moi, je le mets un peu moins fort. Et je le mets en automatique pour qu'il s'éteigne. Pas mal de. Je vais vite retirer le bip parce que ça me. C'est crispant. Voilà. Là, dans les options, vous pouvez enclencher le NR, le notch et avoir des informations sur les digits des codes. Là, sur le squatch, pareil, vous pouvez faire de la recherche automatique de subaudible, des CSS, ainsi de suite, ou pas. Donc, pareil, les styles,
En bas, vous avez énormément de possibilités. Okay, on peut descendre et tout. Et en dehors des steeps, vous pouvez avoir la largeur de bande. Vous faites F. Et là. Et vous pouvez choisir la largeur de bande. Alors ça dépend sur quoi. Là, j'étais sur le DMR, donc là, c'est pas faisable. Mais si par exemple, je rentre là-dessus, que je passe en mode. Attends, hop, voilà. Que je passe en mode VFO. Voilà, que je me mets en FM. Attendez, on va aller sur une fréquence un peu moins perturbée. Voilà, que je fais F, largeur de bande. Vous voyez la largeur de bande. 15, 6. Ça, c'est pour la FM. Mais c'est pas la même chose que le steep, hein. C'est vraiment la largeur de bande. Énormément de choses. Programmation, vous pouvez éditer aussi des trucs très sympathiques, par exemple. Vous êtes là, vous pouvez éditer les banques et changer toutes les mémoires, les déplacer, les copier, c'est bien foutu. Là, vous faites ça, vous rentrez dans la SD card, vous pouvez faire vos backups d'à peu près tout. Si j'appuie là, ça fait les backups d'à peu près tout. Et si vous appuyez là, liste, là vous rentrez sur des QSO que vous pouvez avoir enregistrés ou des firmware que vous avez regardé, par exemple là, regardez. Par exemple, le firmware 11 1511B, c'est un ancien firmware. Et si j'appuie là-dessus sur Entrée, il va me proposer de passer à l'ancien firmware. Et les WAV, bah, c'est des enregistrements. Approximativement, vous avez 1 giga pour 7 heures d'enregistrement. Voilà. C'était F5 Uniforme Oscar XRF, Frédéric à Paris. Pour une petite démo. À plus.